voilà. Et Sagolo qui me trouve juste à ma droite. Il a l'accent du midi. Ah, il a le soleil dans la voix, c'est la bonne heure de ce soir en tout cas pour cette soirée. Et le peut-être. L'événement qui a marqué sa carrière, c'est d'avoir fait la première partie de Tom Jones. C'était en 95. Comment c'est arrivé? C'est une surprise. C'était, ça, ça reste un souvenir extraordinaire parce que d'autant plus que, évidemment, je suis un fan de Tom Jones. Et à l'époque, j'étais produit, j'étais chez Carrère, en fait. Une magnifique aventure. La maison Carrère n'existe plus, la grande maison Carrère. Et mes producteurs, on nous sommes partis en Roumanie et je devais représenter la France. En Roumanie, en fait. Et il ne m'a pas dit que ce soir-là, ça serait devant 20 000 personnes et avec Tom Jones. Voilà, c'était une surprise. C'est un truc mémorable. J'ai les images de ça, évidemment, hein, les images du cast. Et ça a été une grande surprise. Et un magnifique souvenir. Dans cette vie, et surtout dans la grande famille du spectacle, connu ou inconnu, quel que soit le job, comédien, chanteur, présentateur, ce que vous voulez, il faut marcher avec la passion. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour rester sur une longue durée la passion? Mais tu l'as dit, Philippe, parce que ce métier est tellement compliqué. C'est le même métier. Ce métier est tellement compliqué que si tu ne le fais pas, et ça, il faut le dire aux petits jeunes, qui débutent, qui commencent, c'est un métier où tu ne gagnes pas de suite de l'argent, il faut le dire. Il en faut du temps pour pouvoir entrer dans ses frais, comme on dit. Celui qui n'a pas la passion, il ne peut pas faire ce métier. C'est pas un métier, c'est une mission. Être artiste est une mission. Tu as l'air d'un ange. Tu marches comme un ange. C'est l'âme, c'est amour, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de mots qui puisse résumer ce que l'on est quand on est artiste, en fait, quand on est passionné. Je crois que tu seras d'accord avec moi, quoi. Ça dépasse l'entendement, ça. On le fait parce qu'on aime les gens, qu'une salle soit vide ou pleine, ou à moitié vide ou à moitié pleine. Le boulot est le même. Le boulot est le même. D'autant plus, il faut être encore plus performant quand on est 15-20. Parce que 20, ils peuvent être de qualité, hein, ça ne veut rien dire. Oui, le spectacle doit continuer. Puisqu'on voit avec Chris, parce que vous l'entendrez d'ailleurs tout à l'heure, alors moi je pense que ce garçon doit juste un peu aimer beaucoup Elvis Presley. Parce que. Juste un peu. Non, Philippe, c'est parce que quand je suis arrivé, excusez-moi, parce que quand je suis arrivé, il y avait un vent monumental. Ah. Regardez. Un vent a décoiffé les bananes, moi je vous le dis. Il a la banane toute l'année, mais alors là. Mais le show Elvis. Parce que j'en connais un, moi je connais bien Ian Massera qui a un fils qui a été dans le top 10 des voix d'or aux États-Unis. Ce grand concours Elvis Presley, mais au niveau de la voix, hein. Attention, magnifique. Déjà, Ian est un morceau en tout cas en Suisse. Qu'est-ce que t'as attiré chez Elvis? C'est quoi? C'est la voix? C'est quoi? Écoute, quand il est mort, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans à peu près quand il est mort et ça a été un choc pour moi de découvrir ce mec à la télévision. Et j'ai dit à mes parents, toute ma vie de ça, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire plus tard, je veux faire ça. Et la réaction des parents? Non! Ben, les parents, tu sais, restent mes parents qui te disent. Moi j'ai des parents qui ont été extraordinaires. Dieu les bénisse parce qu'ils ont été extraordinaires, ils ne m'ont jamais empêché de faire ce métier. Ils ont gardé leur peur pour eux et ils n'ont pas frustré avec la peur de vouloir le meilleur pour tes enfants, c'est complètement évident. Et moi, ils ne m'ont pas empêché de faire ce métier, ils m'ont fait confiance et ça, c'est absolument extraordinaire. Et voilà, je l'ai fait, je les remercie du fond du cœur parce que je n'ai jamais eu de bâton dans les roues. Et Presley, ouais, ça a été un détonateur, enfin, c'est évident, ça a été un détonateur. Mais sa musique, tu vois, c'est le personnage, mais je crois que quand on aime la musique, on aime toutes les musiques. En fait, ce qui m'a plu chez Presley, c'est qu'il y a quand même beaucoup de styles. Quand on parcourt la carrière de Elvis, il y a beaucoup de styles chez Presley. Il a chanté beaucoup de choses, il a interprété beaucoup de mélodies différentes. Et quand on aime la musique,
On est éclectique en musique, c'est important. Parce qu'on peut être de l'opéra, c'est tout. Ça peut être Roberto Alagna, ça peut être exactement, qui que ce soit. Exactement, exactement. Le tout est de se retrouver dans des mélodies, des sensibilités au niveau des mélodies. Et voilà, c'est ça qui est important. Parler quand même du spectacle. Le spectacle Chrysagoulo, alors on le découvre un peu partout en France, vous le découvrez peut-être aussi sur une plage de votre future vacances. Chris a toujours beaucoup de monde là où il se trouve. Ça va être quoi la tonalité de ce soir, le spectacle? Alors ce soir, c'est les années 60. Années 60. C'est les années 60 ce soir. C'est les années 60. Un hommage aux 60s, les années 60 françaises, bon, internationales quand même, parce qu'il y aura du Polanka aussi, du Johnny, des Chaussettes Noires, des Chats Sauvages, un petit mélange, mais un côté très nostalgique, très très 60s. Voilà. Alors il y a un mot qui m'a surpris dans ton interview, un mot clé que j'ai entendu déjà à trois reprises, c'est le mot cathédrale. Il est symbolique. Ah oui. Le grand patron. Oui. Est-ce que ça t'a arrivé parfois de demander au grand patron à quand grand patron des gros succès? Je remercie, non, parce que je... Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a demandé, ou est-ce que c'est plus la santé, ou qu'est-ce qu'on demande? Tu sais ce que je... Voilà comment je t'interprète, en fait. Bon, tu l'auras compris, je suis croyant. Je ne suis pas spécialement un pratiquant, je suis croyant. Et ce n'est pas de ça que je formule ma foi, en fait. Ma foi, je la formule en remerciant tous les jours de ce qu'il me donne déjà. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Je suis heureux, je fais le métier que j'aime, j'ai envie. Ma famille, ma femme, mes enfants, c'est magnifique, et je remercie Dieu tous les jours, parce que ça c'est... Et si ton garçon et ta fille te disaient pour la dernière question, je veux faire ton métier papa, quelle serait ta réaction? Ma réaction serait que de les guider en essayant de déjouer les pièges que moi j'ai connus, et maintenant il faut faire ses armes. Ça fait du bien parfois de se casser la gueule, parce qu'on apprend quand on se casse la gueule. C'est les remises en question. Oui, tout à fait, c'est important. Il faut être humble dans son métier. Enfin, je veux dire, c'est rien n'est jamais acquis. On en apprend tous les jours. Mes enfants, je pense que mes enfants feront un métier artistique. Là, ils ne sont pas très très grands encore, mais ça se sent, ça se voit dans la manière d'évoluer. Et par contre, ce que je veux, ce qu'il faut préconiser, je crois, à ces enfants, c'est de les pousser quand même à... Alors, ça va être très basique ce que je vais dire là, mais à travailler bien les cornes, c'est important. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le piano, il faut quand même bosser d'abord les cornes pour ensuite être plus à l'aise pour faire le reste. On ne sait jamais. Alors, vous voyez, dans ce métier-là, la passion, ça c'est un fait. De deux, il faut avoir la foi dans son métier, la foi en haut, mais la foi tout simplement dans sa vie, d'aller de l'avant et puis de continuer son chemin. Parce que ça soit Chris, que ça soit moi, que ce soit d'autres personnes, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est très simple, c'est très imagé. Vous voyez, ça c'est un micro. Ça pourrait être aussi un bâton. Il y avait un monsieur qui s'appelait Moïse à l'époque. Il a traversé tout seul le désert. Et pourquoi ? Dans notre métier, on a des périodes de désert. Et ça fait du bien que tout d'un coup, eh bien, il y a un rayon de soleil et puis quelqu'un qui monte là, il dit, ah, tiens, tu vas prendre ce point-là. Et puis, il y aura d'autres choses qui arrivent. Maintenant, à chacun sa chance. Allez, sur ce, Chrysagoulo, dans quelques instants, vous êtes prêts ? On y va, c'est la Voix d'Or ce soir. A tout de suite dans deux minutes.